Nous allons maintenant remplacer le réfrigérant Dupont R134 par le réfrigérant EcoFreeze. Avant cela, j'ai connecté le raccord de remplissage à la conduite d'aspiration et amené la pression au manomètre. Actuellement, c'est 5,4 kg. En ce moment, je vais démarrer la voiture et allumer le climatiseur. Le climatiseur a démarré et à présent, la pression est en mode. Plus tard, elle montera à 2 bars le poids d'une bouteille pleine de 7 kg 770 g. Nous divisons 650 par 2,7 et obtenons 240 g. C'est la quantité de nouveau réfrigérant EcoFreeze nécessaire. Regardons maintenant le thermomètre à 16,6 degrés. Tout de suite, rechargeons-le. Vous devriez avoir 7490. Maintenant, nous allons lancer et faire le plein. Il s'est avéré 7538 et nous montrerons ce que nous avons sur le conduit d'air. En conséquence, il s'est avéré sur un thermomètre 4,8. L'expérience a montré que le réfrigérant EcoFreeze doit être chargé moins de 2,5 fois et en même temps son efficacité augmente car la température de sortie d'air sur l'ancien réfrigérant était d'environ 16 degrés, sur le nouveau 4,8 degrés.